Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans le podcast de La Magie. Nous sommes au jour 12, au jour 13 je crois, jour 12 ou 13, je sais plus. Je suis un peu perdu et puis en même temps j'ai loupé un jour hier, donc là vous êtes le surlendemain de la vidéo d'hier, voilà. Mais c'est pas grave, voilà, le but c'est que quand même il y ait une certaine récurrence et puis que vous puissiez appliquer ces procédés dans votre vie. Alors aujourd'hui je viens de recevoir mon tout nouveau MacBook Pro pour pouvoir travailler. Donc c'est avec lequel j'enregistre. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à faire ce podcast puisque il a fallu que je me prépare avec mon nouveau MacBook Pro et que je puisse remettre tous mes réglages, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, on va parler des gens magiques qui font une différence. Alors hier, on a vu comment on pouvait instaurer un matin magique dans notre vie. Et on a vu également qu'on pouvait saupoudrer chacun de magie, de poudre magique. Donc en fait, ce que vous allez faire dans ce procédé magique numéro 12 aujourd'hui, c'est déjà de faire ce matin votre petite liste de gratitude, d'apprécier votre bonne fortune. Donc je vous le répète, vous dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant de chaque bienfait. Vous relisez ensuite votre liste à voix haute ou dans votre tête et vous dites les trois mots magiques « merci, merci, merci ». Et en éprouvant le plus de gratitude possible, tout simplement. Ensuite, vous allez trouver un endroit, et c'est là où on va parler des gens magiques qui font une différence. Vous allez vous trouver un endroit tranquille dans la journée. Vous serez seul. Vous allez vous asseoir et vous allez penser à trois personnes extraordinaires qui ont fait une différence dans votre vie. Ça peut être un ami proche, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une connaissance que vous avez vue une fois et qui a été pour vous quelqu'un d'extraordinaire et qui a vraiment fait quelque chose dans votre vie. Voilà, tout simplement, et vous allez penser à trois personnes, tout simplement. Ensuite, vous allez vous adresser à chacune d'elles à voix haute, comme si elles étaient présentes, et en leur disant pourquoi vous éprouvez de la gratitude envers elles et comment elles ont changé le cours de votre existence. Tout simplement, vous vous adressez à elles comme si elles étaient en face de vous. Et puis ensuite, avant d'aller au lit, vous prenez votre petit caillou de gratitude, votre caillou magique, dans une main et vous énoncez le mot magique « merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux dans la journée. Tout simplement, voilà. Donc c'était un court podcast aujourd'hui pour justement faire que de plus grandes choses vous arrivent dans la vie en éprouvant des gens de la gratitude sur des personnes dans votre vie qui sont extraordinaires ou qui ont été extraordinaires et que pour qui vous êtes reconnaissant, tout simplement. Et demain, nous allons voir comment concrétiser. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pour le procédé numéro 13, on va concrétiser tous nos rêves par la gratitude. C'est pas cool, ça? Tout simplement. Donc, je vous invite à vous abonner pour poursuivre les prochains podcasts et puis demain, on se retrouve dans le procédé magique numéro 13. C'était Vince. Ciao, ciao.